C'est l'orage qui pose problème. Y a plus qu'à l'arrêter. Arrêter un orage? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef? Chef! On peut vous laisser avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que l'orage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherchait? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées le placent dans la zone. Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois? On peut pas passer par là! Si on continue, on va se faire tuer! On peut pas passer par là! Si on continue, on va se faire tuer! Ryder, on devrait repousser chemin avant que l'orage empire! Sam a raison, on n'a pas beaucoup de temps. Regardez, les paratonnerres, ils attirent la foudre. Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres. C'est le seul moyen de survivre ici. Ça est tiré à vue. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est là-haut. Chef. Restez baissés. De cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué, c'est du beau travail d'éclaireur. Merci, ça semblait important. C'est bien, il faut écouter son instinct. Là, mon instinct me dit qu'on est assez mal barré. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre... La foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué. Mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si Scott en est, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous? Oh, ça sera eux, mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille, il faut juste qu'on change un peu la donne.
Moi, ça me va. En avant! Je vous suis! Avancez jusqu'à la structure. Sam, charge le profil de combat. Les voilà! Voilà, maintenant on a leur attention. Attention à la foudre! Entrez dans ce bâtiment! Il ne faut pas qu'on s'enlise ici! Ça a vite dégénéré! Allez, allez! Il en sort de partout! Sam, mode interface d'ampli biotique. Je suis là. Ne lâchez rien. Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus. Tenez le rythme. Il faut qu'on garde un œil sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Prêt ? Entrons là-dedans. Comment il fait ça, votre père? C'est une vraie machine! Aucune idée, mais ça marche! Continuez! On va y arriver! On y est presque! Où est-ce qu'on va? Tout en haut! Et après? On le saura en arrivant! Sam, passe au profil technicien! Tous sur moi! Chef, d'où est-ce que vous sortez tous ces profils?
Sam me donne un petit coup de main. Comment ça? Concentrez-vous plutôt sur le combat. On dirait le centre de contrôle. Éloignez-les de moi. Vous l'avez entendu? On y est arrivé. En un seul morceau. C'est pas encore fini. Faut que je passe par cette porte là-bas. T'en es où? Il faut que j'arrive à déchiffrer cette langue. En voilà d'autres! C'est quoi le plan? Ils vont nous encercler, on n'a rien de temps. Il faut qu'on défende les deux côtés ou ils nous prendront à revers. Où est-ce qu'on doit se poster? Attention, je crois qu'il y a du mouvement. On les a tenus en respect à la navette. On peut y arriver cette fois aussi. Des tas de gens comptent encore sur nous. Je m'échauffe à peine. Ils plaisantent pas. Éloignez-les de votre père. Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Venez bon des deux côtés. Il faut pas qu'ils passent. C'est quoi cet endroit d'abord? Aucune idée. Ils ont l'air d'y tenir. Alors? Décryptage à 50%. La syntaxe est étrangement complexe. Je vois ça. Essaye une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y. Je crois que je l'ai vraiment énervé, celui-là. Peut-être parce que je vais tirer en pleine tronche. Chef, ça avance? Décryptage à 75%. On y est presque! Il faut tenir encore un peu! Ils se replient! Ils se regroupent peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Décryptage terminé. Ça a marché! C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde! Elle est bloquée! Je dois y jeter un œil. Sam a décodé une partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. Jusqu'ici, rien ne nous a écoutés sur cette planète. Fais attention. On se fait du souci pour son vieux père. Je n'en parlerai à personne. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne.
C'est pas vrai. Ça a marché. T'as réussi. Au moins, y a un espoir. C'est ce que les gens de l'Arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... L'implant de Ryder est en surcharge, je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant! Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement mort pendant 22 secondes. Ah. Et comment je m'en suis sorti? Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc, Sam. Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam? Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée, Scott. Je sais que ça doit être un choc. Il s'est sacrifié pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité... Vous êtes le nouveau pionnier, Scott.
C'est une plaisanterie. Où est le problème? Je pense que vous en êtes capable. C'est facile à dire pour vous. Mais en pratique, c'est très différent. J'ai failli mourir dans cette mission. Techniquement, je suis même mort. Mais au final, vous êtes bien vivant. Vous n'êtes pas du genre à abandonner. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours? Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Il a besoin de se reposer. Il a 2 heures. On aura besoin de notre pionnier. Au fait, j'ai vu votre sœur. Il n'y a pas vraiment de changement, mais elle a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Sam, qu'est-ce qui se passe? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Il ne m'a jamais parlé de ce canal. Ça m'a permis de mieux le connaître. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Arche Hyperion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y.
travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment, l'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés et notre pionnier est mort. On peut difficilement faire pire. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnier.